Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Nous allons voir comment créer un moteur de recherche qui va nous permettre de chercher un fichier PDF seulement avec le nom du fichier. Par exemple, quand je clique sur PDF, il ouvre directement cette interface. Là, j'ai un texte de recherche, zone de recherche, pardon. Donc, par exemple, facture. Quand je clique sur Recherche, et voilà le résultat. Il ouvre directement le fichier nommé Facture. Voir un autre. H. La même chose. Parce que j'ai des fichiers nommés H, Facture et d'autres fichiers. Là, par exemple, un autre. Abonnez-vous. Et voilà. Abonnez-vous s'il vous plaît si le contenu vous a plu. Alors, pour créer comme ce moteur de recherche, on va fermer tout ça. On va enregistrer. On va ouvrir un autre fichier Excel. On va fermer tout ça. Et voilà. Donc avant tout, nous allons ouvrir PowerPoint pour créer une image de l'arrière-plan. Je vais faire ça. Alors là, donc on va ouvrir fichier nouveau. Fermer tout ça. Alors, allez dans insertion, design, conception, pardon, mise en forme. On va voir une couleur de votre choix. Voilà. Ensuite, on va insérer l'image. Télécharger. En fait, j'ai déjà téléchargé des icônes et tout. Alors là, par exemple, je vais mettre celui-là. Et là, comme vous voyez, j'ai trois donc. Alors, sélectionnez la forme. Ensuite, allez dans Ranger. Entrée. Pour télécharger. Comme des icônes et des images, allez dans le site Clean PNG. Et voilà. On va l'agrandir. Centrer. Et voilà, c'est tout. Alors là, on va enregistrer l'image, enregistrer sous. Voilà. En tant que JPG. Format JPG, nommer la photo, photo, document, celle-ci uniquement. On va fermer ça. Ensuite, maintenant, ouvrez le fichier Excel, allez dans Développeur, Visuel Basique. Ensuite, allez dans Insertion pour insérer une forme. Voilà. Et maintenant, on va insérer la photo qu'on a créée dans PowerPoint. Allez dans Picture, Image, Picture. Ensuite, on l'a enregistré dans Document. Donc, il est où? Il est nommé Photo. Il est là. Et voilà. Là, comme vous voyez, pour ajuster la photo, on va dans Picture Size Mode. Ensuite, deuxième option, et là, comme vous voyez, et voilà. Alors maintenant, on va créer un bouton. Allez dans la boîte à outils. On va créer un bouton ici. Ensuite,
Non, mais le recherche PDF. Ensuite, on va changer la taille. Voilà, ça va comme ça. Voilà notre fichier, notre application. Et maintenant, on va insérer un zone de texte. Zone de texte ici. Voilà comment ça donne. On va l'agrandir un peu. On va tester et voilà. On va faire des modifications. La même chose allez dans ma oblique. Choisissez 16. Allez dans texte. Text align centré. Et voilà. Alors maintenant, on va entrer le code. Avant tout, d'accord, sélectionner son texte. Ensuite, la taper TXT. TXT. File. File name. TXT file name pour le bouton CMD open PDF. Voilà. Et maintenant, double-clic sur le bouton. Ensuite, on va entrer le code DIM. Dim file name as string. Dim folder path as string. Dim path as string. File name égal txt file name le nom de la zone de texte qu'on a créé. TXT file name dot value alors ensuite folder path là on va coller l'emplacement du dossier par exemple. J'ai les fichiers PDF stockés dans ce dossier. Alors, je clique ici pour copier. Je sélectionne, double-clic, haut. Ensuite, copier. Ensuite, ouvre les guillemets. Coller. Ensuite, ajouter encore un slash. Mettez là. Contrôle V. Ensuite, if din file name d'un 0 après d'un erreur. Voilà, parenthèse.
Then, full pot. Full pot. Alors ensuite, folder pot and file name and ouvre les guillemets point PDF. Les guillemets on error resume next active active workbook follow hyperlink full path on error encore une fois go to aller vers go to zero else message box ouvre les guillemets CVP entrée le nom exact fermez les guillemets end F voilà, c'est tout, je pense. Alors, donc maintenant, on va essayer. On va tester l'application, si ça marche. Donc, par exemple, dans le dossier, j'ai des noms H, facture, facture, abonnez-vous. On va tester. On va voir si ça marche. Facture. Message box. Ah. Message box. Il n'y a pas d'espace. Ah, bien sûr, il y a de l'espace. J'ai oublié d'ajouter box. Alors, on va tester encore une autre fois. Facture. Recherche. Et voilà. Donc, ça marche. On va voir un autre. H par exemple, recherche, la même chose. Abonnez-vous et voilà. Abonnez-vous s'il vous plaît, si le contenu vous a plu. Donc ça marche. Alors. Arrière, fermer tout ça, marche arrière dans la feuille Excel, aller dans View, affichage, on va désactiver le quadrillage et là on va insérer une photo. PDF, on va l'ajuster un peu, voilà. Centré. Insertion. Texte. Recherche. Fichier. PDF. Agrandir un peu. Voilà. On va sélectionner encore dans un autre texte. Ensuite, on va
supprimer ligne de l'extérieur. Ensuite, on l'ajoute ici. On sélectionne les deux. Ensuite, là-dedans, grouper. Voilà. Maintenant, on va créer un macro qui va nous permettre de lier le bouton avec UseForm qu'on a créé. Aller dans développeur. Ensuite, insertion, module. Là, sub, ouvrir, fichier, PDF. Par exemple, vous pouvez écrire n'importe quoi. Alors là, user form 1, c'est le nom de user form 1. Point show affiché. Ensuite, marche arrière. Cliquez avec le bouton droit sur l'image ou l'icône. Ensuite, assis macro. Et voilà le macro qu'on a créé. Ensuite, OK. Maintenant, quand je clique sur PDF, et voilà. Ensuite, un peu de recherche, facture. Et voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, partager. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et voilà donc, alors. Donc avant tout, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier en tant que macro. Allez dans fichier, ensuite enregistrer sur save as, choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier, nommez-le, ensuite allez dans enregistrer en tant que macro, deuxième option, ensuite enregistrer. Voilà, c'est tout.